say I love you, you give Bachi. Patinage de vitesse sur Eurosport. Kevin Overland, il n'est séparé de la première place pour l'instant que de deux centièmes qui pour l'instant sont à l'avantage de l'homme que vous découvrez de dos avec son bonnet gris. Cet homme, c'est le japonais Hiroyasu Shimizu. Peut-être dans moins d'une demi-heure, le premier japonais à devenir champion olympique du 500 mètres, alors que c'est Jeremy Wotherspoon qui va s'élancer maintenant. Jeremy Wotherspoon, septième après la première manche, lui qui est en tête de la Coupe du Monde. Et regardez le public canadien, je vous rappelle, sept premières places dans lesquelles on retrouvait quatre Canadiens et son adversaire, Manabu Ori. Inutile de dire qu'on est rentré de plein pied dans le vif du sujet. Jeremy Wotherspoon, 7e. Manabu Ori, 12e. Wotherspoon n'est séparé que du meilleur temps que par 28 centièmes simplement. L'attention, inutile de vous dire qu'on la sent ici dans cette M-Wave. On peut la trapper, on peut la couper au couteau. C'est le premier symbole, une paire entre un japonais et un canadien, parce que le titre pourra être attribué à l'une de ces deux nations. Mais attention, elles ne sont pas les seules à être en course. Il y a aussi les États-Unis et puis dans une moindre part les Pays-Bas. Le canadien à droite en rouge et noir, le japonais tout en noir. Et voilà, c'est parti entre Jeremy Wotherspoon, l'un des tout meilleurs patineurs au monde, et Manabu Ori, médaillé olympique déjà à Lillehammer avec la médaille de bronze. Meilleur temps de passage pour Manabu Ori, 9,78 pour le japonais, 9,87 pour Jeremy Wotherspoon. Wotherspoon qui a la bonne trajectoire, il faut qu'il reste concentré jusqu'au bout. Manabu Ori est en embuscade, il va devoir négocier au mieux ce petit virage, mais la piste il la connaît, il est déporté, il va se retrouver dans le grand virage. Jeremy Wotherspoon va s'imposer dans cette paire et regardez le chronomètre. Jeremy Wotherspoon, 35,80, il est passé sous la barre des 36 secondes. C'est le meilleur temps pour l'instant, 35,80 pour Jeremy Wotherspoon, le Canadien, qui a amélioré son temps d'hier de 24 centièmes. Manabu Ori, lui, n'a pas pu résister à la force centrifuge dans le dernier petit virage. Il a explosé, il s'est retrouvé propulsé dans le virage extérieur. Regardez ces images. Manabu Ori qui aura lâché sous la pression, et Jeremy Wotherspoon qui pour l'instant est en tête après les deux manches. Jeremy Wotherspoon, nouveau leader devant Rogerström, le Norvégien, et Michael Künzel, l'Allemand. Allez, poignée de main entre Manabu Ori et Jeremy Wotherspoon. Wotherspoon, il était venu ici pour conquérir un titre, mais ça sera quasiment mission impossible. Il reste exactement
5 paires à s'élancer. Regardez, Hiroyasu Shimizu, totalement concentré, qui va tenter de soutenir cette pression, de résister. Alors que les Néerlandais vont jeter leur dernière carte, leur dernier atout dans la bataille. Erben Venemars, 5e. Glundenius, norvégien, légèrement décevant lors de cette première journée avec une 11e place simplement. Mais Venemars, il faut s'en méfier, il n'est qu'à 2 dixièmes du meilleur chrono. On va avoir une première indication dans un instant après les 100 premiers mètres. C'est le Norvégien qui passe le plus vite. Très belle ouverture en 9,80. Mais Erben Venemars, ce n'est pas son point fort, on le sait. Son point fort, ce sont les 300 derniers mètres. Et regardez, il est en action, hyperactif. Erben Venemars, il va peut-être réaliser une grande performance ici. Il est parfaitement placé dans le grand virage. Alors que le Norvégien est en train de chuter, il a emmené Erben Venemars. Ah, quel drame pour Erben Venemars. Il vient d'être... Ah, il a été touché au bras. Il faut absolument que les médecins arrivent très très vite. Probablement une fracture au niveau du coude pour Erben Venemars, qui est tombé lourdement. C'est une image très très rare en patinage de vitesse. Un drame ici pour Erben Venemars, qui s'est très certainement fracturé le coude. Et le malheureux Norvégien qui n'a rien pu faire, il n'a pas pu résister dans ce petit virage. Et contre sa volonté, il a emmené le Néerlandais dans sa chute. Une image très très dure, on voit le coach des Néerlandais appeler le docteur. Ce coach, c'est bien évidemment Peter Müller, le champion olympique d'Innsbruck en 1976 sur la distance du 1000 mètres, coach américain qui s'occupe des Néerlandais depuis 2 saisons. On va revoir ce qui s'est passé au ralenti. Là, le Norvégien est totalement déporté, il fait plus de 90 kg et il ne résiste pas à la force centrifuge. Erben Venemars est dans sa trajectoire, il essaye de l'éviter, mais il n'y a rien à faire. Regardez le choc ici, boum! Et ça, c'est une fracture au niveau du bras, probablement au niveau de l'articulation du coude. Pourtant, la piste est protégée. Une fois de plus, je tiens à souligner, c'est rarissime. Ce n'est pratiquement jamais arrivé dans l'histoire du patinage de vitesse de voir une chute aussi violente. Mais c'est vrai aussi que les patineurs vont de plus en plus vite. Et on comprend pourquoi il fallait disputer cette compétition sur 2 manches avec un couloir intérieur, un couloir extérieur. Et malheureusement, eh bien pour Erben Venemars, la compétition s'arrête ici. C'est une image très très triste pour le Néerlandais, bien évidemment. Il a pris tous les risques, le Norvégien. Il a fallu qu'il s'engage dans le virage avec le bassin pour tenter de conserver sa trajectoire. Il s'est trop engagé. La carre a lâché sous la glace. Il a décroché. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que le Norvégien est tombé un tout petit peu plus tôt dans la balustrade. Il a légèrement décalé cette balustrade. Et Erben Venemars est arrivé en pleine vitesse avec le coude certainement sur le béton entre la glace et la protection. Et malheureusement, le coude n'aura pas résisté à ce choc très très et trop violent. If you're going to create electricity, use it. The Seiko Kinetic Watch. Electrically charged every time you move your body. Inside this engine, the 21st century has already begun. Mitsubishi's gasoline direct injection, a breakthrough in engine technology that benefits not only the way we drive, but also the way we live. Mitsubishi GDI. GDI. Takes you further. Bouchard 4e, 14 centièmes le sépare de la première place. Yoriati 10e, et un nouveau coup de sifflet de monsieur le starter, très certainement pour signifier un faux départ à l'italien.
Eh oui, il a tenté le diable. C'est vrai qu'il avait un bon coup à jouer. Maintenant, les choses sont claires. Un faux départ partout. Et il s'est engagé avant trop tôt, Jurjáti. Jurjáti qui avait été hier le premier à battre le record olympique. Lui qui s'est lancé en première paire. Il est resté très très longtemps en tête. Mais au final, il s'est retrouvé en dixième position après la première manche. En revanche, pour Sylvain Bouchard, c'est mieux. Il est quatrième. Je vous rappelle, 14 centièmes simplement. Bouchard en course pour une médaille, peut-être en course pour le titre. Il a la bonne piste. Il va partir intérieur. Il finira extérieur dans la bonne trajectoire. Et c'est parti, il a hésité quelque peu, un tout petit moment d'hésitation pour Sylvain Bouchard. Les deux patineurs passent pratiquement ensemble, un centième de différence simplement. 9,97, 9,98. Sylvain Bouchard qui a pris le temps de patiner. Il est dans le grand virage maintenant et regardez l'Italien qui revient très très vite, ça nous promet un finish de toute beauté. L'Italien qui a été déporté, Bouchard qui garde quelques mètres d'avance et qui va s'imposer. Le chrono c'est très important, 36-10, non, il est battu Sylvain Bouchard. Ce n'est pas le meilleur chrono de la journée, il ne sera pas champion olympique. Son compatriote Jeremy Waterspoon reste devant. Deux Canadiens aux deux premières places au total point pour l'instant. Jeremy Waterspoon devant Sylvain Bouchard. Bouchard qui a signé un chrono en 36-10 devant les 36-36 de Hermano Jurjáti. C'est 6 centièmes moins vite pour l'Italien comparé à hier. Et c'est moins vite, 2 dixièmes moins vite pour Sylvain Bouchard. Petite déception pour Bouchard, mais les Canadiens sont aux deux premières places. Il ne reste maintenant plus que 6 patineurs à s'élancer, avec notamment dans un instant Casey Fitzrandorf, lui aussi en course pour le titre. Vous découvrez le classement. Au total point, c'est Jeremy Waterspoon qui est en tête devant Sylvain Bouchard. Les deux Canadiens en troisième position retrouvent Hermano Jurjáti devant le Norvégien Rogerström et l'Allemand Michael Künzel. Les cinq hommes de tête, mais il reste trois paires simplement à s'élancer avec trois hommes qui vont patiner pour le titre. Vous découvrez Hiroyasu Shimizu en tête après la première manche, le Japonais, mais il n'a que 2 centièmes d'avance sur Kevin Overland, le Canadien, et 5 centièmes d'avance sur Casey Fitzrandorf, l'Américain, qui va s'élancer dans un instant. Il patine pour le titre, il patine pour une 6e médaille d'or pour les États-Unis sur la distance du 500 mètres dans l'histoire de l'olympisme. Son adversaire du jour, Hyuk-Yuk Lee, le Coréen, 9e après la première manche. Fitzrandorf, l'Américain à droite, 3e après la première manche. Lee, le Coréen, 9e. 5 centièmes d'écart seulement avec la meilleure performance après la première journée. Ouh, Fitzrandorf, il veut prendre tous les risques. Et c'est lui qui commet ce premier faux départ. Il va devoir être très patient durant le deuxième départ. No false start. Inner lane. Ouh, alors là, croyez-moi que ça c'est une décision qui sera discutée. Si Casey Fitzrandorf est champion olympique, on en reparlera de cette décision parce qu'il vient de commettre un faux départ et le juge arbitre américain, le starter américain, lui a dit non, pas de faux départ, vous êtes engagé avant. J'espère qu'on ne reparlera pas de cette décision. Ah, cette fois-ci, il faut qu'il lui donne son faux départ. Il n'a plus le choix. Et croyez-moi que le public attend, les observateurs aussi. Je vous rappelle, j'en avais discuté avec beaucoup de gens ici, et notamment avec Johan Olafkos qui me disait le starter, il a été tout sauf à la hauteur. Ça avait mieux attaqué, ça s'est beaucoup mieux passé aujourd'hui. C'est vrai que ça n'a pas bouleversé véritablement la compétition. Mais là, c'est un faux départ pour Fitzrandorf, il n'y a pas de doute.
Et cette fois-ci, lors de ce nouveau départ, cette fois-ci, Monsieur FitzRandolph va devoir être très, très patient. Go to the start. Il était en mouvement l'Américain, j'ai peur qu'il soit disqualifié, l'Américain était en mouvement, il a 5 centièmes, si le juge arbitre ne donne pas de faux départ ici, ça sera une nouvelle décision très controversée, on va attendre la décision de l'arbitre, mais normalement, Casey FitzRandolph vient de commettre un deuxième faux départ, ça veut dire qu'il devait être disqualifié. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est au niveau limite, extrême limite. On entend des sifflets dans la foule, des applaudissements aussi. Hugh Hughley est donc crédité de ce faux départ. Ça, c'est pas totalement immérité, mais Casey FitzRandolph, il est vraiment protégé par le juge-arbitre pour l'instant. Mais ça ne suffira peut-être pas. L'essentiel, c'est qu'il soit capable de faire sa course maintenant. Voilà, le quatrième départ est bon. Casey FitzRandolph en route pour un nouveau titre pour les États-Unis. Peut-être il a pris un excellent départ, l'Américain. 9,87, c'est le quatrième meilleur temps de passage aux 100 mètres. Le Coréen a commis des fautes. Casey FitzRandolph à la bonne trajectoire. Le Coréen fait l'effort pour revenir. FitzRandolph dans le grand virage ici, bien placé, mais regardez, le Coréen qui revient comme une fusée, le Coréen Lee qui a fait un effort formidable, il va peut-être s'imposer dans cette paire, ça sera très serré, non c'est l'Américain, Casey FitzRandolph, 36-39, il est battu, il ne sera pas champion olympique. Et Jeremy Wotherspoon qui est en train de faire un retour absolument hallucinant. Il est toujours en tête, Jeremy Wotherspoon. Regardez le sourire de celui qui est surnommé The Spoon, la cuillère. Jeremy Wotherspoon en tête au total point devant Sylvain Bouchard. Casey FitzRandolph, lui, est toujours troisième. Il y a maintenant deux Canadiens en tête et simplement deux paires à s'élancer. Deux paires dans lesquelles on retrouve deux autres Canadiens. Les Canadiens qui pourraient... On n'aurait jamais vu trois hommes d'une même nation sur les trois plus hautes marches du podium sur aucune distance de sprint, donc 500 et 1000 mètres. Casey FitzRandolph décevant aujourd'hui après sa bonne performance d'hier. Take all the chances you want with your skis once you get to the Olympic Winter Games. Just don't take any chances with them on the way there. UPS. Good morning. Worldwide partner of the 1998 Olympic Winter Games. When you need it there on time, ship it UPS and consider it done. Vous pensez que votre rasoir habituel rase avec autant de confort que Gillette Sensor XL? Ben oui. Alors essayez Sensor XL, un seul rasage et nous parions que vous abandonnerez votre rasoir ordinaire. Parce que seul Sensor XL possède des lamelles protectrices pour un plus grand confort. Wow. Et deux lames qui s'adaptent automatiquement à votre visage pour une plus grande précision. Mmh. Relevez le challenge Sensor XL. S'il vous plaît. Nous parions que vous abandonnerez votre rasoir ordinaire. Hey, rendez-moi mon Sensor XL. Hey, hey. La Dream Team World Cup Gillette. Qui choisiriez-vous? Notre jury d'experts a présélectionné 4 joueurs dans les catégories suivantes: gardien de but, arrière central, meneur de jeu, avant-centre. À présent, vous êtes le sélectionneur. Alors appelez vite la ligne Eurosport et choisissez un joueur pour chacun des postes. Eurosport, Gillette et Opel vous offrent la chance de gagner une Opel Corsa. Alors, prêt à relever le défi de la Dream Team World Cup Gillette?
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jean-Mi face à ses potes de l'élite mondiale. Qui sortira le grand jeu pour une place en finale du top 8? Réponse samedi en direct de Charleroi. De la saison des rallyes en Belgique avec la première manche du championnat d'Europe. Les routes blanches boucles de Spa, à suivre et à vivre sur les radios de la RTBF et sur Eurosport 21 les 13, 15 et 16 février. Vendredi 17h, la spéciale show RTBF. Dimanche 20h, un large résumé de 26 minutes. Et lundi 21h45, image choc, synthèse et perspective dans Champions, le magazine des rallyes. La 41e édition des routes blanches boucles de Spa avec le soutien de Renault. Elle, Nicole Yuko. Ils ont rendez-vous sur le tatami de Bercy. À leur côté, d'autres geishas du judo belge mèneront le tango du soleil levant. Marizelle, Brigitte, Gela et la belle Oula vous disent Banzai à Paris. Certaines choses, il y a de bonnes surprises. Dans les PC scéniques équipés de processeurs Pentium 2, par exemple, il y a une interface infrarouge, un lecteur de carte à puce, des outils de communication RMIS et des outils de... PC Siemens Nixdorf. Coup d'envoi de la saison des rallyes en Belgique avec la première manche du championnat d'Europe. Les routes blanches boucles de Spa. À suivre et à vivre sur les radios de la RTBF et sur Eurosport 21 les 13, 15 et 16 février. Vendredi 17h, la spéciale show RTBF. Dimanche 20h, un large résumé de 26 minutes. Et lundi 21h45, image choc, synthèse et perspective dans Champions, le magazine des rallyes. La 41e édition des routes blanches boucles de Spa avec le soutien de Renault. Soupape, 100 ou 130 chevaux. Turbo diesel, 90 chevaux. Active Safety Chassis System. ABS, airbag, airco. La nouvelle Primera à partir de 539 000 francs. Un seul test vous convaincra. La nouvelle Nissan Primera, le plaisir à conduire. Nissan vous souhaite autant de plaisir à regarder que de plaisir à conduire.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à la Chaussée du Lisp pour cette demi-finale de la Coupe de la Ligue, la Nissan Cup, Lierse-Lommel. Dans cette Coupe de la Ligue, donc une compétition, vous le savez, qui réunit les clubs professionnels de Belgique. 23 clubs au total, 18 de D1, 5 de D2. Et il en reste 4 à présent, donc au stade des demi-finales, le Lierse-Lommel qui s'affronte ce soir. Et puis dans l'autre demi-finale, Westerlo et Ekeren. Ici au stade du Lisp, donc pas beaucoup de monde ce soir pour suivre cette rencontre. Une rencontre dans une compétition qui finalement débouchera, on le sait depuis quelques semaines, sur une place en Coupe Intertoto. L'UEFA l'a confirmé à la Fédération Belge de Football. Le vainqueur de la Coupe de la Ligue figurera donc parmi les clubs qualifiés en Coupe Intertoto, à condition toutefois de figurer parmi les 12 premiers du championnat. Il y aura donc deux clubs belges en Intertoto, dont le vainqueur de la Coupe de la Ligue, et deux clubs en Coupe UEFA. Le Lierse, dont l'objectif était la qualification européenne, eh bien, n'a plus que cette planche de salut, peut-être, la Coupe de la Ligue, pour être européen cette année. Vous voyez la composition des Liérois pour ce soir, avec Stanley Menzo, Cernils, Scavone, un ex-Lommelois, Peter Huistra, Leen van Kerkhoven, Zdebel, De Geer, Van de Weyer, De Keyser et Eftevaag, avec toujours Jos Dardenne sur le banc liérois, quoique fort contesté ces dernières semaines ici au Lierse. Du côté de Lommel, nous allons également découvrir la composition avec beaucoup d'absents là aussi. Du côté du Lierse, il y a Van Meer, Doornbroken et Oefkens qui sont sur le flanc. Du côté de Lommel, voilà la composition avec Jacky Matthijssen. Et oui, ça fait très plaisir de revoir Jacky après son accident. Vous vous en souvenez, à la fin du mois d'août, il avait été victime d'un grave accident au crâne. Le voilà de retour, il a joué le match précédent en Coupe de la Ligue. Il est aligné ce soir. Neys est au repos en quelque sorte. La composition, vous la découvrez avec Canarts bien sûr, Schubert et Schoen et le banc des remplaçants. Walter Meus est bien entendu l'entraîneur du club limbourgeois qui lui figure à la 6e place de notre compétition pour l'instant du championnat. 6e Lommel, donc, qui court après l'Europe et qui est toujours en course d'ailleurs, au même titre que Genk, Ekeren, Harelbeek et Anderlecht. Lommel est encore dans le coup. Le Lierse, lui, je vous l'ai dit, est un peu largué dans cette course à l'Europe. Jos Dardenne, donc l'entraîneur liérois que nous entendrons tout à l'heure à la mi-temps. Petite interview réalisée avant le début de cette rencontre. Jos Dardenne en difficulté, on le dit depuis quelques temps déjà. On cite même dans la presse des noms de successeurs potentiels à Jos Dardenne. Des noms comme Korbrom, Wilfried Slurs ou peut-être le plus important de ceux-là, Leigh Clijsters. Des bruits de transfert aussi qui circulent en coulisses de manière très très forte ici au Lierse, avec Nico van Kerkhoven qui ne fera certainement plus de vieux os ici dans le club liérois, le club de ses amours va-t-on dire. Il est courtisé, Nico van Kerkhoven. On ne peut plus courtiser le gaucher du Lierse par Anderlecht bien sûr, mais aussi par des clubs étrangers comme Coventry et surtout le club allemand de Schalke 04. Le club cher, vous le savez, à Marc Wilmots et Michael Gossens. Les deux équipes qui s'affrontent ce soir, eh bien, se sont déjà rencontrées évidemment en championnat. C'était le 13 septembre dernier. Le score de Lierse-Lommel en championnat, 1-4 en faveur des Limbourgeois. Et puis, pour la petite histoire, c'est assez comique, mais la semaine prochaine, dans le cadre du championnat, eh bien, les deux clubs vont se retrouver. Et oui, mais cette fois à Lommel. Match retour donc en championnat et les deux équipes vont pouvoir un peu se jauger ce soir, se juger aussi. Match à répétition donc pour ces deux équipes qui s'affronteront donc trois fois cette saison en compétition officielle. La Coupe de la Ligue, vous le savez, c'est une compétition de longue haleine pour certains clubs, comme pour Lommel qui a déjà passé trois tours pour en arriver au stade des demi-finales. Les Lommelois ont éliminé dans le cadre des 16e de finale la Gantoise. C'était 3 buts à 5 à Genbrugge. Et puis ils ont créé la sensation, les Lommelois, en 8e de finale en éliminant le club de Bruges, le leader incontesté de notre championnat. Un but partout et puis une défaite pour Bruges au pénalty. Boîte de
délicieux chocolat et caramel.